Et non, il y a une enquête qui peut être faite par la police et qui ministère et la police pour très sévère contre n'importe qui nous découvre être fautif et qui finit mettre la vie des personnes en danger. Il faut bien dire aussi qu'il nous peut regretter un exercice pour régler toute la question de la sécurité des touristes en mer et sur l'île Maurice. Mais d'ores et déjà, nous faisons prendre plusieurs actions. Une, c'est dans le lagon de Belmar, quand nous avons cet accident-là, nous pouvons mettre une zone de protection pour les gens qui font comme nager et les gens qui font une activité. Et la seconde chose qu'il faut bien dire, c'est qu'à partir donc la semaine prochaine, le port de gilets de sauvetage pour obligatoire pour chaque bateau de plaisance commerciale qui peut quitter le lagon et peut aller dans notre mer. Il faut bien ajouter aussi que pendant mon dernier mandat au ministère du Tourisme, je prends une série de mesures pour la protection et la sécurité des touristes en mer. Je regrette terriblement que ça va un accident à fin d'arrivée. Mais on assure les Mauriciens et les touristes qui nous remettent tout en œuvre pour assurer la sécurité des personnes.